éléphant. Un éléphant. Kopa Bari. Boubacar Bari. Toi, si tu te comportes comme le gardien du Mexique, ça fait quoi? Ça fait quoi? On sait qu'entre toi et lui, c'est comme le jour et la nuit. Premier but là, si tu t'arrêtes, le ballon te tape et puis ça s'en va. Tu te couches pour quoi? Il n'a pas encore tiré. Tu vaux rien, tu sais ça. Tu sais que tu vaux rien, non? De toutes les façons, nous on est habitués à toi. Moi je suis pas surpris, hein. Bamba Souleymane. Bamba Souleymane. Toi là, j'ai dit, oh, toi là. Si on t'envoie invitation là, si tu refuses là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Faut refuser l'invitation. Fais-nous ce plaisir là. Refuse l'invitation. Tu fournis. Toi là, je sais pas comment tu es professionnel quoi. Par contre là, c'est chance. C'est 90% des chances. Tu fournis. Colo Touré Habib. Ah, Colo. Tu nous as tués en Égypte, contre l'Égypte. Tu veux nous tuer? Colo, Colo, il y a quoi? C'est comme ça on défend dans un match aussi décisif. On laisse 3 minutes. C'est comme ça on défend sur le côté. On laisse le gars s'entrer. Tu es le seul joueur de la Coupe du Monde là. Il tombe et puis il perd les bons sur le terrain. Toi seul, toi tu es gros. Tu vaux rien, Colo, tu vaux rien. J'ai décidé de prendre ta retraite. Ça fait quoi? Bah la retraite, ça fait quoi? L'argent, tu as déjà ça. Tout le monde, tu as déjà ça. Va à la retraite. Oh! Zoko, comment il s'appelle même? Tioté. Et puis Seridé. Vous êtes les guerriers de l'équipe. Au milieu du terrain là, moi je vous tire mon chapeau. Maintenant vous êtes un peu malade. Hein? C'est quelle maladie vous avez? Ça dit qu'on est en train de jouer là. Vous là. Vous là. Il n'y a pas envie de vous appeler la sorcière. Pourquoi vous vous marquez? Pourquoi vous donnez but cadeau? Genre? Vous n'avez quel problème? Alors vous êtes venu au mondial pour ça? Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. De toutes les façons, vous deux là, vous êtes des guerriers. Vous êtes l'avenir de cette équipe-là. Continuez comme ça. Chapeau à vous. Je vais monter un peu. Salomon Kalou. Dit Kalouno. Et d'ailleurs, toi et puis la mouchine, vous vous graissez? Parce que normalement, tu dois jouer 35 minutes dans ce match-là. 35 minutes, c'était bon pour toi. Je ne sais pas comment tu fais pour jouer 93 minutes. Je ne sais pas. Je sais que toi, tu graisses la mouchine. Toi, je sais que tu graisses la mouchine. Parce que tu ne vaux rien. C'est quel problème? Si tu te comprends comme Nima sur le côté, ça fait quoi? Ça fait quoi? Un calou! Pourquoi tu joues comme une femme? C'est quel problème? Tu as loupé le but là, j'ai vu, non? Ils sont venus maquer. Alors, faut faire tiens, ta retraite dessus. Toi, Colo, pendant, suivez-vous. Paris, Copa, suivez-vous. Pardonnez, suivez-vous. Il y a les enfants qui arrivent, suivez-vous. Ça, quand vous les enfants ne peuvent pas jouer, allez-y. Yaya Touré, 250 000 dollars par semaine. Toi, tu peux payer tous les Chiliens. Équipe nationale de Colombie, là, tu peux les payer eux tous. Japon, tu peux les payer eux tous pendant 20 ans. J'ai rien promis. Que c'est pour marquer des buts extraordinaires à Manchester City, là, j'ai premier. Que c'est pour courir ta clé ici, là, j'ai premier. Mais quand tu viens chez nous là, tu marches aller et retour. Tu te fous de nous. Fuck you, nigga. Fuck you again. Tu en vaux rien. C'est moi qui dis, c'est pire, répète ça. Faut te ressaisir, hein, maudit là. Et puis si ça va pas, prends ta retraite. Pardon, prends ta retraite. Il y a des chèques qui sont là. On les fait jouer. Jaguar, Gervinho. Apparemment. Je suis le joueur le plus motivé de cette équipe-là. D'ici 2 ans, tu vas porter notre brassard. Continue comme ça. Mais pardon, arrête d'oublier le ballon derrière toi. Tu as quel problème? Mais à part ça, chapeau champion. Good job. Aurier, toi, si vous n'étiez pas matière, mais grec, cadeau. Tu allais me grec matin, midi, soir, tu allais me grec. Tu es un chef, tu es un champion, Aurier. Tu es le seul de l'équipe là qui se bat comme un garçon. Et toi, tu poursuis jouer quelqu'un dans son camp. Tu es son gardien. Tu le déposes là-bas et puis tu reviens, tu dépasses tous les yaya sur tes marchés. Les yaya, les calous sur tes marchés. Et puis tu reviens te repositionner. Chapeau à toi, champion. Continue comme ça. Et c'est fier de toi. Tout d'accord, il va être fier de toi, champion. Didier Drogba. Didier Taïzobo.
Mon Dieu, respect. Est-ce que tu fais pour nous là? Respect. Bon, mon Dieu, si ça va pas, non. Si ça va pas, non. Entre nous, au moins, plutôt, si ça va pas, non. Va t'asseoir à côté de Mourinho, va t'apprendre comment coacher. C'est mieux. Pas t'en gâter ton nom. Faut pas t'en gâter ton nom. Où ça arrive là? Faut pas t'en gâter ton nom. Faut apprendre comment prendre la retraite dans le bon sens. Pas comme les Zidane là. Si ça va pas, arrête. Faut pas t'apprendre comme les Eto'o là. Tu vois comment Eto'o le gâte maintenant, non? Faut pas faire comme ça, mon Dieu. Si ça va pas, arrête. Tu es un champion. On sait que tu es un champion. Toute l'Afrique sait que tu es un champion. Faut bien prendre ta retraite. Je sens que ça va pas aller là. Arrête. C'est bon. Cabri la mouchi. Hey, Seigneur. Pourquoi ton GPS t'a envoyé à Babi? C'est quel GPS tu as? Comment tu as fait pour arriver là-bas? Il ne sait pas. Ah, et tous ces pays qui sont en Afrique, pourquoi c'est Abidjan qui a atterri? Cabri la mouchi. Hey, Seigneur. Tu quel entraîneur? Il est 7 minutes. Tu fais sortir Drogba. Tu fais entrer Sio Giovanni. C'est qui lui là? C'est un boulanger ou mais c'est quoi? Il fait quoi? C'est un mécanicien? Tu fais plaisir à qui? Il n'a pas joué le premier match. Il n'a pas joué le deuxième match. Le troisième match était un match très décisif. Tu fais jouer quoi? Il va t'apporter quoi? C'est 7 minutes, Drogba ne peut pas finir? Si lui peut faire tenir les 7 minutes, c'est que Drogba peut le faire. Tu fais sauter Germinio. Tu fais entrer Dombia, quoi, Ismaël. Il va nous apporter quoi? 7 minutes, un entraîneur, 7 minutes. Moi, je défends. Parce que je veux jouer au Costa Rica. Ce que je joue au Costa Rica, ça fait quoi? Ça fait quoi, Ramoussi? Si toi tu joues au Costa Rica, ça fait quoi? Si on dit Ramoussi est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est le seul entraîneur qui nous a qualifié pour le second tour. Ça fait quoi, Ramoussi? Ah, Ramoussi! Tu es aussi bête que ça? On sait que tu voulais mon argent, et pas que tu étais aussi tinglé que ça? Tu as quel problème? Et puis, 28 minutes après le match, tu t'es pour dire que tu allais t'arrêter. C'est pas quoi ça s'est passé? Elle nous l'a conseillé. C'est Abidjan qui a signé le contrat là. Tu allais arrêter ça là-bas. Tu seras frappé. Idiot que tu sois. Si tu se qualifies pour le second tour, ça fait quoi? Si les Ivoiriens courent partout dans les rues de Babi, ça vaut pour à jamais. Ça fait quoi? Si Costa Rica nous gagne 4-0 là, ça fait quoi? On n'avait pas dit vous accueillir à l'époque. Toi la moussie, on est dans un mousseau. Tu allais griller toute la nuit. Ça fait quoi si nous sommes dans un mousseau? Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu commets l'adulte? Ça fait quoi la moussie? Vous nous avez fait ça. Vous nous avez fait ça même. Mais ça, c'est déjà fini, c'est déjà fait. Maintenant, aux éléphants de Côte d'Ivoire, il nous reste une option. Allez-y, ce que je vous ai dit là, faites. Graissez les Brésiliens là, enceintez-les, renvoyez-nous nos bébés. Dans 20 ans, nous, on partit prendre la Coupe du Monde. Si nous, la Côte d'Ivoire, on prend la Coupe du Monde un jour, ça fait quoi? Si dans 20 ans, on se qualifie pour prendre la Coupe du Monde, ça fait quoi? Renvoyez nos Brésiliens. Je vous dis, ça n'a pas besoin de vous demander pardon, parce que vous êtes champion dedans. 1, 2, 3, à